Cet épisode commence avec Yagi, qui arrive à l'entreprise et suit les commentaires dans l'article. Alors, il va voir Hasan et lui montre l'article et lui dit qu'il s'agit de sa sœur Essay. Hasan refuse de le croire et dit que sa sœur ne peut pas épouser un homme qui pouvait être son père et Yagi lui dit qu'ils doivent se mettre en route. Il lui dit qu'il est sûr que cela est un coup de sa mère et dit qu'il va les faire sortir de la villa avant que son père ne fasse une crise cardiaque. Alors, ils se mettent en route, et Sinan les suit de derrière. De son côté, Essay est dans sa chambre et Azim vient la voir. Il lui dit qu'il lui a apporté des cadeaux pour son anniversaire. Il lui donne une robe, et sa bague de fiançailles, et lui dit que le mariage est pour aujourd'hui. Celle-ci accepte, et la met à son doigt. Puis on nous montre la conversation qu'elle a eue avec lui à la veille, et elle lui a dit qu'elle sait que sa mère lui a demandé plusieurs choses, et lui dit qu'elle ne veut rien de tout cela, mais uniquement un père pour son enfant. De son côté, Sinan est curieux de savoir où ils sont en train de partir, et se rend compte qu'ils se dirigent vers la villa. De son côté, Azim va dans le studio, retire la bague de sa défunte femme, et lui dit de le pardonner, et la met dans un coffre. Alors Essay vient le voir, et ils prennent place, et sont prêts à se marier. De son côté, Fazilet est en train de faire les courses, et finit par voir le scandale dans le journal, et sort en courant. De son côté, Hasan est en train de discuter avec Yagi, et lui dit qu'elle va sortir sa sœur de cette villa, et Yagi lui dit que la vérité va se savoir, et dit qu'il ne sait pas comment son père va réagir à tout cela. De son côté, Céline est en colère, et dit qu'elle va les jeter dehors, et dit que tout finit aujourd'hui. Alors le maire lance la cérémonie, et Essay est prête à signer, lorsque les autres arrivent à la maison, et lui demandent de ne pas faire cela. Yagi est surpris de voir que son père était derrière tout cela, et lui demande ce qu'il est en train de faire. Alors Essay signe le registre, et Hasan se met en colère, disant qu'elle n'est qu'une enfant. Sinan donne des félicitations ironiques à son père, avant de partir. Hasan se tourne vers sa mère, et dit qu'elle est sûre qu'elle était au courant, et dit qu'elle ne peut pas le faire sans son consentement, et dit qu'elle n'est qu'une enfant. Essay dit qu'elle n'est plus une enfant, et Essay lui dit, que lorsqu'elle posait hier dans sa belle robe, elle a fêté son anniversaire, et dit qu'elle a grandi, et s'en va. Une fois les Hasan partis, Yagi demande à discuter avec son père. De l'autre côté, Fazilet va voir sa fille, et lui demande de ne pas pleurer. Elle demande à sa mère de lui laisser tranquille, et Hasan arrive vers Essay. Elle lui dit qu'elle ne sait pas comment elle a grandi en une nuit, et dit qu'elle est sa sœur, et ne peut pas la laisser près de cet homme, et lui demande d'enlever cette bague de ses mains. Essay refuse de le faire, et dit qu'elle est à présent la maîtresse de cette maison, où elle a été longtemps humiliée, et dit que c'est le chez elle à présent. De son côté, Azim dit à son fils qu'il est désolé, et ne voulait pas qu'ils apprennent cela de cette façon, ni encore faire cela de cette façon. Yagi lui demande comment il comptait faire, les inviter au mariage, une fois le mariage terminé, et dit que les autres qui ne sont pas là vont le prendre comment. Il demande ensuite à son père, comment il compte introduire sa nouvelle femme dans la famille. De son côté, Gokhan est toujours à l'hôtel, et compte toujours divorcer. Alors Yasmine vient le voir, et dit qu'elle va voir comment il va avoir la force de divorcer, après avoir reçu cette nouvelle. Une fois sur place, Gokhan lui demande de signer les papiers, et dit qu'elle ne recevra rien de lui. Alors elle sort le journal, et lui montre. Elle lui dit qu'il devrait plutôt se concentrer à sauver son père, au lieu de perdre son temps avec ce divorce. Gokhan l'attrape par le cou, et dit qu'il est sûr que cela est son œuvre, et s'en va en demandant à son avocat de lui faire signer les papiers. Elle refuse de le faire, et déchire les papiers. De son côté, Essay fait comprendre à sa sœur que l'ancienne version d'elle est morte et enterrée hier, lorsqu'elle passait son anniversaire toute seule, et dit que la nouvelle Essay est née, celle qui ne va plus se laisser humilier par les autres.
Bazan lui demande si elle n'aura pas honte d'arrêter la main d'un homme qui pouvait être son père. Et Sé lui dit qu'elle devrait se regarder dans un miroir et voir ce qu'elle est devenue. Elle dit ensuite qu'elle est le visage de la marque, ce qu'elle détestait au départ, et aujourd'hui elle est fière de poser pour cela. Hazan lui dit que peu importe comment elle a changé, elle n'est plus sa sœur, et s'en va. Fazil l'arrête, et Hazan lui dit qu'elle a réussi son plan, et est devenue la maîtresse de la villa. Elle dit à sa mère qu'elle devrait avoir honte d'avoir vendu sa fille de la sorte, et sa mère lui demande de se taire, et finit par la gifler. Alors, Hazan lui dit que cette gifle va se retourner vers elle un jour, et s'en va. De son côté, Yaji dit à son père que Fazilet a tenté de coller sa fille sur lui, et dit qu'il a fait comment pour l'épouser. Azim lui demande de ne pas le parler de la sorte, et dit qu'elle est sa femme, et dit qu'il n'y a rien à redire. Alors il s'en va, et Hazan fait pareil. Une fois dehors, elle rencontre Céline, et lui dit qu'elle est en retard. Céline lui demande ce qui se passe, et entre voir son père, et lui montre le journal en lui disant qu'Essé raconte des faussetés sur lui. Essé vient les voir, et dit que tout est vrai, et lui montre le registre de mariage. Céline le déchire, et dit qu'elle n'a plus de père, avant de partir. Gokhan à son tour dit que Yasmine avait raison, et est également en colère contre son père. De son côté, Sinan est à la tombe de sa mère, et est en train de pleurer. Yaji le rejoint, et Sinan est en colère, et dit que cela n'est pas simple, et s'en va. Dans sa chambre, Fazilet dit à sa fille qu'ils doivent tous être obligés d'accepter ce mariage, et dit que tous ses enfants doivent l'embrasser sur la main. Puis elle demande à sa fille pourquoi elle a fait cela, et dit qu'il n'y a même plus le bébé. Sa fille lui dit qu'elle lui a fait comprendre qu'elle devait célébrer si elle épousait ce vieil homme, et se brûler dans le cas contraire, et demande ce qu'elle compte donc faire actuellement. De son côté, Sinan est en voiture, et est en colère. Yaji est également en voiture, et le suit derrière. Une fois sur place, il appelle son père, et celui-ci vient à sa rencontre, et lui demande ce qui se passe. Il lui verse de la terre sur le visage, et lui dit que cela est un cadeau de leur mère, et dit qu'il a pris cette terre sur sa tombe. Il dit ensuite que son père devrait avoir honte de se marier avec une fille qui est plus petite que sa propre fille. Azim lui dit qu'ils peuvent le détester pour le reste de ses jours, et dit qu'il accepte cela, et dit qu'il a pris sa décision, et ils doivent la respecter, et surtout donner le respect à sa femme. Yaji dit qu'il n'acceptera pas cela, et s'en va. De son côté, Sinan dit qu'il ne viendra plus dans cette maison, jusqu'à ce que la raison revienne, et monte faire ses effets. Alors, Hazan vient voir sa sœur, et lui dit qu'elle est sa grande sœur, et dit qu'elle est sur sa responsabilité. Elle dit ensuite qu'il ne se fait pas tard, et dit qu'elles doivent partir de cette maison, pour éviter la honte que cela est en train d'engendrer.